Bonjour et bienvenue sur, comme d'habitude, Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Bomber Crew. Donc on va aller sauver des gens et prendre des photos, parce que ce qui compte surtout c'est qu'on puisse prendre au moins une photo dans cette histoire, parce que sinon c'est un peu triste. Après voilà, c'est pas l'émission qui paye le plus, hein, mais voilà. Les provisions doivent être... Ah oui, ce qui nous fait penser que... Hop. Ouais, tu viens ici, tac. On fait économiser un peu de carburant. Tain, on a la vitesse normale à nouveau. J'ai plein de munitions. Ouais, 400 cartouches, hein, ça... Ça fait une sacrée différence, quoi. Hop là. Je pense qu'on va pas tarder à avoir des nouvelles des ennemis. Ok, JP Morgan, t'es le dernier. Paf, t'ouvres les portes, s'il te plaît. On s'apprête à larguer les fournitures. C'est mort, on va devoir repasser. On a merdé à 2 secondes près. C'est terrible, hein. Il envoie tellement des poutres. Ils ont un poutre. Hop là, on va te montrer mon cul, regarde mon cul, en concentration, tatatatac. Que décider de t'aligner. Allez. C'est looté. On est à sec, en munition s'il te plaît. On a quoi? On a un incendie sur une aile. Ouais, on peut éteindre un incendie là. Et on va vider le carburant en même temps pour éviter que ça continue à prendre feu. Voilà, on est descendu au plus bas en carburant. On rééquilibre. Oh, j'ai oublié de marquer tous ces braves gens là. Place de tir, si on perd un petit moteur. Après, certains diraient que c'était qu'un moteur, somme toute. Quoi? Ah, attends, maintenant que je l'ai mis en concentration, vous êtes tous partis en vacances, quoi, sérieusement. Allez, alignez-les. Voilà, ça s'est fait la gueule, ça c'est bon, ça. Allez, un petit coup de radio pour fêter ça. Parce qu'on va arriver vers. Ami là, autour de notre ami, y a pas un truc à voir? Attends, on va pas rentrer sans une petite photo là. Regarde, y a des constructions droit devant. Zone de danger proche ajoutée à la carte. Ah, oh. Y a un truc par là. On va pouvoir ramener notre photo, les mecs. Ah, les mecs, les filles, vous m'avez compris quoi. Commencez pas à faire vos mijaurées. Hop là, position photographe s'il vous plaît. Maintenant qu'on est plus léger sans les fournitures. Le carburant ça va, fait pas chier non plus. On va économiser un peu si ça te fait plaisir. On n'a pas de blessé potentiel à bord, par contre pas de blessé potentiel. Hein. On a subi beaucoup d'aération, les ailes ont pris cher. Le train arrière également. Regardez, c'est joli, c'est Dunkerque. Ah non, c'est Cherbourg.
On est déjà à Cherbourg là? Ah ouais. Bon. Ok. Je connais mal les villes du Nord. C'est pas dingue. En même temps, c'est difficile de les voir. Dès que t'arrives dans le Nord-Pas-de-Calais, il pleut. Donc, bon, ça devient compliqué quoi. Bravo ma poule! Apprêtons-nous à rencontrer de nouveaux individus. Et tu pourrais profiter pour aller te soigner. Ouais, ce que je peux vous proposer, c'est qu'avec nos trois petits moteurs, hop, on rentre vite touche, tu vois. Avant de commencer à avoir des emmerdes qui se radinent. Quand on parle d'emmerde, on n'enverrait pas le bout des canons par le plus grand des hasards. Voilà, là, là, en concentration ligne droite, c'est meurtrier. Ok, rechargement s'il te plaît. On a les munitions infinies, donc pas gêné. On va chercher les munes. Bon, on met un petit coup de collet pour rentrer plus vite, hein. Comme d'hab. Pousse un peu. Bon bah voilà, je commence à prendre le réflexe de me servir des extincteurs de moteur. Ça va pas empêcher d'en perdre un. Hein. Faut dire, ils l'ont chargé ce côté là. Hein, on voit, hein, ils ont commencé à vouloir tirer là, ils ont croqué partout là. Cochon sale. Ça et bien sûr dans le corps principal du bousing, ils ont tiré comme jamais. Donc, voilà, ça se passe tout seul. Le reporter crew est de retour. Et sans mort pour une fois. Genre c'est devenu tradition quoi. Et personne n'a été jeté par-dessus bord. On vous l'assure. Formidable. Gagner la concentration, je pense, sur notre principal artilleur. J'ai pas vérifié. On va voir au niveau de l'entraînement, justement. Gagner la concentration, c'est Bert, ouais. Ok, niveau preset, on a quelque chose, non? Combinaison de vol thermique, enfin, thermique 2 et la thermique 3. 4006, donc ça sera celle-là ou bien. Pour l'instant, celle-là, ça serait pas mal aussi. Hein. Ça blinderait un peu plus nos gadgets, mais non. L'argent n'ira pas ici. L'argent ira ici, messieurs. Ici, on aime l'argent. Et on a besoin d'argent. Et pour cela, on a besoin de moteurs standard MK2. On a besoin également de toile ventrale. Beaucoup trop cher, ou une frontale avec des munitions, une grosse bande de munitions histoire d'être un petit peu tranquille. Fuselage, il nous reste 750 balles, je crois que c'est mort, hein, on va pas se mentir. Voilà, alors, on peut partir sur un truc plus léger, mais bon, est-ce que vraiment c'est ce qui nous intéresse quoi. On ne peut pas matériel à bord, non, c'est pas matériel, c'est système, dans les systèmes. Trop cher. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Et c'est mort. Bon bah très bien. Et est-ce que quelque part on n'aurait pas ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'on a ici? Chasse au sous-marin. Ah ça m'intéresse. Parce que chasse au sous-marin, t'as vraiment le temps de tirer les chasseurs. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Je prends toutes les missions intermédiaires tant que je peux les prendre. Puisqu'on n'a pas eu Feller, donc il va y avoir un combat contre Feller à un moment donné. J'ai toujours pas de tourelle ventrale, c'est quand même quand même la tristesse d'histoire là. Vous pas.
Je trouve que ça commence à être la tristesse. Paf, paf et paf, allez, allez. Penché, bravo. Il faut que j'appelle 1, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 7. Ok, il faut que je m'habitue à ces touches là. Pour ramener mes gars. Oui, on va détruire du sous-marin, tout à fait, Hop. Position, tac, tac. Parfait. Sous-scott. Sous-scott ou pas d'ailleurs. Je ne sais pas qui. Je ne sais plus qui est quoi. Trop chiant. Alors voilà. Alors, ça, c'est la version pas perforée. Voilà. J'espère que vous en avez bien profité. C'est vrai que c'était cool. Tellement vite ses munitions, quoi. Faut dire, il leur envoie des poutres. Hein. C'est plus des cartouches qu'il leur envoie. C'est, regardez, on voit les cartouches qui partent encore au loin là. Elles sont déjà en Chine là, actuellement, à l'heure à laquelle on parle. Ce qui veut quand même dire que tu as le temps d'aller faire une recharge. Fonce, ma poule. Ne charge aucune munition. Ah bah si, je suis bête. Excuse-moi, je dis des conneries, ici je change une munition. Je m'habite. Bonjour des Amsterdam maintenant. Vous pouvez voir si vous penchez à droite, mais ferme là. On est des reporters, pas des touristes quoi. Des reporters de guerre en plus. À un moment donné, faut s'inspecter un peu quoi. Nouveau renseignement ajouté à la carte. Pas de nouveau renseignement. Foutage de gueule. Merci mec. Ok, formidable. On pivote. Il y a des avions là-haut. Des avions là-haut, fais pas genre. Je les ai vus. Ah, j'ai mis trop de temps à les analyser. Trop de temps. Je déteste. La concentration est rechargée. Normalement, c'est à peu près de la ligne droite. Tu peux en enflammer. Hein. Moi, j'y crois pas. On attend qu'ils reviennent. Burn des chargeurs. Ça revient, allez. Vas-y Burt. Vas-y Burt, on prend en toi. Allez, bien joué ma gueule. Bien joué ma gueule. Si. Wesh alors. Allez, faut pivoter. Il nous faut un petit coup de boost s'il vous plaît monsieur. Il faut ouvrir les portes et faut tenter un premier passage. Ah, il va plonger quoi, il aura plongé d'ici là. Ah, regarde, ça y est, il a plongé déjà. Allez, ferme-moi ça. Vous êtes pour rien là. Allez, ouvrir les portes. Au fait, toi, va recharger. Alors, va se faire soigner. Right. On reste la moitié de notre carburant, c'est largement suffisant. Ok. Donc t'es en train de nous tirer dessus, ça on aime beaucoup. Normalement tu ne te déplaces pas, tu es statique, parfait. L'autre est déjà rentré, on ferme les portes. T'es déjà rentré, on ferme les portes. Je parie pas, putain, oui bah oui, ça ramène. Sur le site. On est parti pour tourner un peu, on va économiser tranquillement. Pas de blessés à bord, on est bien. Ok, on y va. Je suis désolé, mais il me faut un coup de boost. Non, juste une. Ouvrir les portes, s'il vous plaît. Ah, il a déjà plongé, enfoiré. Comme ça. Annule. Oh, il a boosté tout ce qu'il avait.
sur la radio. On a que ça à foutre, de toute façon. Bon, je vais pas utiliser la diète. On va rester en économie de carburant, on est parti pour tourner un certain temps là. On n'est pas dans le bon mood. Le bon mood. Ah là c'est bon. Là on l'aura normalement pas besoin d'accélérer, il vient de sortir, le temps qu'il commence à allumer la source un peu. On nous laisse un peu de marge. Ouvre les portes, pour être pas trop mal. Il est statique. Il tire, il a cessé de tirer. Tu plonges pas, c'est bon. Commencer à bouger, mais c'est bon. Il a été coulé. On a un truc qui quitte, qui chougne. Scott. Travaille, s'il te plaît, Scott. C'est valide. On ferme les portes et on rentre chez nous. Retour maison les enfants. Chasseur en approche. On s'aligne les gars s'il vous plaît. Je trouve qu'il y en a 3 ou 4. Il y en a 3, très bien. Right. Chut. Retourne là-haut s'il te plaît. Très bien. Ralentis un peu, il nous faut de l'XP, il faut qu'on s'entraide là-dessus. Il faut qu'on prenne tout ce qu'on peut prendre. Ralentis ma gueule. Ah mais non, me fais pas ça. J'ai envie de faire un crochet pour aller chercher, mais ça a l'air d'être mort. Il a l'air mort de chez mort. Oh. Ah. Vas-y, j'ai de le carburant par les fenêtres. Plus vite on rentre, plus vite c'est fini. Bon ça va, pas de gros problèmes matériels, en vrai ça va, c'était plutôt cool. C'était à la cool. Allez. Ouais, on s'approche de Londres. Eh ben non. Le reporter crew est de retour. Et tout le monde est vivant. Ouais, on sent qu'on est obligé de préciser. Alors que normalement, on devrait dire et avec une jolie photo. Mais maintenant, on peut dire que tout le monde est vivant, c'est quand même. Tu rassures plus de monde, quoi, d'un coup. T'arrives, tu dis bon, j'ai juste une jolie photo. Bon, j'ai une jolie photo d'un pote crevé. Attention, ce qu'on pourra en tirer. Bling, 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 bling. Le reporter crew est de retour. Bravo. On va prendre un peu de niveau là. Ça fait bien plaisir. Du nouveau matos MK2 qui sort à peu près à première vue. On sort un peu de matos. Ouais, mais donc de toute façon, je pense pas que j'ai pas prévu. Hein. C'est pas prévu, les gars. Restez comme ça. La livrée, c'est pas prévu non plus. Les systèmes, oui, ça commence. Ah, bah là, on discute, par exemple. Trop lourd. Alors, on va faire la même passe que d'habitude. Hein. On va passer un moteur MK2. Voilà. Puis système électrique. Non, pas électrique. L'extincteur en MK2, s'il vous plaît. Voilà. Et on a plus de pognon. Pour une tourelle ventrale avec des munitions. On peut aller se faire foutre. D'accord, merci.
J'apprécie beaucoup. J'apprécie vraiment le geste. Un petit fuselage, on peut gratter un fuselage les gars, et c'est nous. Non, non plus. Non, on n'a pas le droit. C'est dur en affaire les gars. Hein. C'est très dur en affaire. Hein. Non, non plus, on n'a pas le droit. D'accord. Super dur en affaire les mecs. Hein. On compte pas que. C'est genre, on a juste le droit de prendre un pigeon et c'est tout ce qu'on a le droit de prendre quoi. Alors, on va prendre notre pigeon alors. Si vraiment on a droit qu'au pigeon. On va prendre notre pigeon. Putain, et niveau de mission. Ah, parce que pilote. 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 C'est lequel? Ah, c'est soit Félix, soit Guénard. Les armes sont pas ouf. Les armes sont pas ouf. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux se prendre la mission critique, quitte à la merder? Je sais que celle-là, je peux la finir. J'ai des blindages à chier, j'ai pas de fusée. Mon fuselage il est en mousse, il est en papier de riz. À part celui des ailes qui va à peu près bien. Voilà, on va partir sur la mission critique. Parce que du coup on la connaît, on sait qu'elle est gérable. L'opération chariot est parfaitement gérable. Même avec les bus que j'ai actuellement, ça le fait quoi. Ok. On va aller se peser. Ok, c'est parti. On se penche sur le bas côté, vas-y tranquillement. On est tranquillou. Marrant ce coup-ci, on survole vraiment les terres, ce qu'on n'avait pas fait la première fois. Hop. Il a même arrêté de tirer quoi, tellement il a dit non, c'est un strike. Mec, non, c'est un strike. C'est sûr, moi je l'ai vu de loin. Je l'ai vu avant même que ça se passe. Allez, on booste. Right, j'ai besoin de toi ici. On va pas avoir droit à beaucoup d'erreurs. Hein. On peut laisser un sous-marin en vie, ça on le sait. Sur le bon flanc là. Après la vue, en plus, il suffit juste d'en bombarder deux et après les autres ils lâchent. Hein, hein. Ah putain, il y en a un là. Bah tant pis, je vais bombarder les deux là. Hein. Ok, parfait. On ferme les portes. Moi je sais tout de suite où je veux aller. Voilà. Ça, je l'ai pas eu.
Ah, il est en train de recharger le coup. Ok. C'est le problème de ne pas avoir beaucoup de cartouches. Ok, un petit coup s'il te plaît. Mitrailleur arrière, un peu de concentration. On ouvre les portes. Et on est prêt à larguer. Bon vieux, on l'a tellement lourdé derrière. Mais à un moment donné, vous savez que vous êtes censé m'escorter. Ouais, 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 on fait ça, ouais. Ouais, ouais, non, mais on n'a pas d'info radar. Ouais, ouais, on s'en fout. Hein. On y va. Assaut. On part toute la côte française là. Voilà, ça. On est lancé. Ouais, t'inquiète pas, le navire il va pas prendre fait longtemps. T'es caté, mon pote. On va vite le régler. Plus rien à faire, tac, recharge, tac, 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 voilà. La dernière bombe est chargée. Sudden Can, radio s'il vous plaît. On va écouter un peu de musique. Trouvez-nous un peu de zouk tectonique s'il vous plaît. Une musique tribale. Ok, magnifique, Mr. Wright. On va remonter là-haut. Backdash. C'est un que j'ai pas vu. Tiens, 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 tiens. Des choses que j'avais pas vu comme ça. Ok, le poulet et la radio. J'ai vu que t'étais un peu endommagé, Duncan. On va faire une pause, ma poule. Concentration s'est rechargée ou pas? Concentration, s'il te plaît. Bah écoutez, c'était bien. C'est dommage qu'on puisse pas mettre fin à une concentration pour qu'elle puisse se recharger genre plus vite. Genre de choses quoi. Normalement il nous manque une petite photo pour bien faire les choses. Suicide, c'est parti. Wow. Est-ce qu'on peut avoir une photo de ça, s'il vous plaît? Non, sans doute ça. Mais non. Parfait. On va passer par les terres. On retourne à la base. Ça. Ils ont plus de respect de quoi que ce soit de nos jours. Nous y passons par là. Excellente idée. Right, rush. Ah bah non, on a besoin d'aller chercher des munitions, excuse-moi. C'était pas toi, c'était Nux. Parce qu'il peut me tirer en dessous et moi je peux pas. Est-ce que si je fais une vrille? Bah, me crash par terre. Hein. Je vais mal le vivre, je te jure.
Là, je te jure, je te dis super mal. Hein. Il s'est replacé en dessous. Je le déteste. Va te faire soigner. Sors de là, mec. Est-il en dessous? Je peux rien faire. Putain, manip de tes morts. Je peux mettre un petit coup de boost, allez, pour faire genre. Presque mort là comme ça. Comment ça Burt, il est presque mort? Pourquoi ma vie est dégueulasse? Faut que tu montes encore mon vieux. Plonge, 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 plonge. Et tu plonges. Dessous comme si je l'attendais quoi. Oh, ça me rend dingue. On va vriller à nouveau hein. On vrille. Oui, on a compris, le mec des cartes tu vois plus rien, plus c'est pute, on s'en fout, on ne voit pas qu'on est occupé un peu là. Jess, est-ce que tu veux pas genre faire genre, ok d'accord, va faire genre tu vas prendre des soins là. Parce que si je peux éviter de perdre mes mecs. Ok, on plonge. Ah mais on peut pas plonger parce qu'il était... Ok, il était derrière, ok, nice. Magnifique. Ah oui, merde, putain. Prends ta place. Ce bombardier qui m'a mis mais tellement cher, quoi. Regarde comment il m'a ouvert en dessous, quoi. Il m'a tellement ouvert le fur, ce con. Ça va, on est sur le terre-terre. Ça va, c'est bon, on est sur le terre-terre. On se calme. On se calme, on est en bas, on redescend, on redescend. Cartman, là, c'est bon, tu t'en sors. Voilà, parfait. Je réclame pas, tu donnes pas, hein. Putain. Oh le tarif que j'ai pris quoi. En charge, j'ai plus une balle. Bon, tes problèmes sont réglés. Ouh. Pris cher un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les réservoirs de carburant ils sont encore très bien? Mec, on arrive à la maison. Le mec il reste 20 minutes de carburant, il est en train de pleurer. On va tomber. Con on va. Il faudrait que je te laisse tomber, ouais. J'ai eu le temps de soigner tout mon équipage. Bon, ça a commencé à être difficile, mais c'est passé. Il faut vraiment la tourelle ventrale, quoi. C'est là contre ce type de chasseur de bombardiers. J'ai plus les noms des modèles, mais vraiment plus du tout. Là, ça devient vital en fait. Taux de reconnaissance facultative, ouais, ramener. Ouais. Excusez-moi. Ok, on a pris du niveau. Le secourisme avancé a été débloqué, ce qui va nous permettre de rallonger significativement la vie de nos gadjo. Ouais, ouais, un million de trucs, mais principalement souvent des trucs inutiles, puisqu'on sait que la mage principale pour l'avion est à 4000 de recherche. C'est des combinaisons, des trucs nuls, hein, ça ne m'intéresse pas. Entraînement Duncan, tu m'intéresses. Je t'entraîne comme mécanicien. Bravo. J'en vois toujours le même. Mais en fait, je suis un couillon, je devrais pas. Bah écoutez, on a du blindé MK2, c'est incroyable, du blindé MK2. Ça pourrait se valoir, mais on n'est pas si riche que ça. Et on le sait, il nous faut impérativement la tourelle du dessous. Et donc,
Je suis un abruti, mais non. Mais non, j'ai pas fait ça. Je peux plus payer de tourelle. Ma vie est dégueulasse, je suis un con. Pourquoi je me déteste? Pourquoi je me déteste? Bon, mission chariot, c'est bouclé. Quoi? Mission Hydre. On sait que la mission Hydre, de mémoire, elle est quand même vachement sport. Il y a beaucoup de chasseurs. Pilote de chasse ennemi. Ah. Et c'est encore sa zone de pilote de chasse. Vas-y. On n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Par, on enchaîne deux missions critiques d'affilée. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Il n'y avait pas de bonne idée à voir là sur ce coup-là. Okay, on se calme. On reste cool. Ok. C'est vrai qu'on a 3 bombes, donc j'ai pas le droit de merder une seule fois, pas une seule bombe. Je m'en rappelle, je m'en rappelle, je m'en rappelle. On va en chier. S'il y a un avion qui se met en dessous de moi, je suis mort, je suis mort. C'est quoi, d'où il me le sortait là, cet avion anti-bombardier là, ce chasseur de bombardier. À mon niveau quoi, les gars, j'ai encore des batteuses qui font rigoler le monde. Batteuses coûtent une vraie fortune. Ouais, on va rien faire de spécial, on va rien faire de spécial, on va pas jouer, les fous. Cartman. Ok, bah c'est parti pour un long voyage. Long voyage. Ah, épicé de trou du cul. Ils sont là. Tire dès que tu vois le bleu de leurs yeux. Hein. Parce que bon, c'est des Allemands, donc ils ont pas de blanc, ils ont forcément que du bleu. Concentration. T'arrives ? Quoi ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Prenez votre temps, les mecs. Ah mais ils prennent vraiment leur temps en fait hein. Ils font vraiment des crochets, des tournées, des tournons, machin, des trucs comme ça, des trucs très chiants là. Cartman a été touché. Oh, le pilote aussi. On charge. Bert, on va te faire soigner. Non, non, en fait, Bert, retourne là. Bert. Toi, je vais te déloc. Viens te soigner. On devient pilote tout de suite. Ah oui, l'histoire du V2. J'ai mémoire. V2 sur le point d'être lancé. Bert, tu vas te faire soigner tout de suite. Recharge. On a pris un. Bert, il a bouffé. Il a bouffé un max. Mais ça tient. Ça tient. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que ça tient. On n'est pas trop dans la séquence d'économie, mais bon. Est-ce qu'on a vraiment le choix ? Lancement de V2 imminent. Chercher des munitions. Parfait. Parfait, Edges. Ok.
pas le... Ah, c'est dans cette mission qu'il faut que tu l'aies. Faut que t'arrives à tirer. Hein. Faut que t'arrives à tirer, Choupette. Faut que t'arrives à tirer. Ou Choupette, j'en sais rien. Je sais pas qui tire là, mais faut tirer là. Jess, je compte sur toi. Hein. On va être dedans. Hein. Jess. Jess, on est dedans. Jess, arrête de regarder à côté. Défonce-moi ce truc. Il fait normalement assez de dégâts pour ça. Hein, hein, hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Notre direction. On n'a pas eu le V2 là? Vraiment? Boost. Tiens là-dedans, tout tire. Burt. Burt, faut aider, hein. Faut aider les mecs. Vous pouvez le défoncer ce truc, hein. Ça, chasseur repéré sur le radar. Arrêtez, abattez-moi cette merde là. Charge. Change pas d'objectif pour l'instant, tant que j'ai pas battu les deux autres cons là, j'en ai rien à foutre. Ah non, ils sont morts du coup, ils décrochent, ok. Il décroche. Bert va te faire soigner. Cartman pour l'instant, tu restes comme ça. Ok. Right. De mémoire, je vais avoir besoin de toi ici, je crois. Voyager à travers des nuages, ce sera un peu safe. Un petit temps comme ça, un petit peu de safitude. Normalement, de toute façon, on est apte à bombarder deux. Tout ça si on a une restriction particulière. Burt qui reprend son poste, très bien. Formidable Burt. Richie, tu te déroules sur ton poste au cas où je fais une connerie. Infos au sol là. On voit des structures mec, on voit des trucs là. Donne-nous des infos. Ça a pas l'air d'être ça les soucis. Cartman, il faut des infos. Trajectoire à rajouter. Ok, on traverse tranquillement la zone. Ah oui, Cartman, tu fous quoi? C'est bon, vous l'avez abattu l'autre coup. Parfait. Ok, c'est bon, j'ai les infos. Il commence à faire jour, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais c'est une chose. Recharge, mec. Très bien. Le site est repéré. Formidable. Formidable. Ah, je vais devoir lâcher ma bombe dans le gros nuage là. Vraiment. Ça a l'air. Ok. Ah, le plus rigolo c'est qu'il faut apprendre la forme des nuages avant de larguer une bombe. Ok, j'ai entendu se plaindre sur les. Ce qui reste. Oula, lui il faut le tomber. Hein. Les petits potes, je vous explique. Cet avion là, faut le tomber. Hein. Il arrive, il s'aligne derrière, c'est parfait. Quoi? Bon, il passe derrière. Mais c'est des mecs. Les mecs ils font des moves, c'est improbable. C'est. Je sais pas, enfin, c'est des champions de la zone tectonique quoi. C'est tellement ça quoi, c'est tellement. Ok.
On est tranquille, y'a rien qui stresse, c'est dans le gros nuage, ok, on est au calme. On passe par dessus la première pièce d'artillerie. Voilà, on va centrer tranquillement dessus, on lâche. On ferme les portes. Et Bert va te faire soigner, tac. Right, reprends ta place tout de suite. Ah bien, on va patienter un peu. Pour l'instant c'est plutôt calme. Bert n'a toujours pas repris sa place. Patiente un peu. Gagne du temps. Gratte du soin. Ça c'est bon pour toi Bert. Il est pas trop mal, ça peut aller. On peut prendre la direction. Il est pas fou mais ça va aller le temps que. Concentration, ok, parfait. Une petite radio reconnaissance s'il vous plaît. Je crois que j'ai déjà pris une photo mais je suis pas sûr. Je suis pas formel. Bert va reprendre son poste. Magnifique Bert, bravo. Et Jess, recharge. Bravo beau gosse. Mais on n'est pas en bas mid. Non mid, on est bien en mid. On est frais les mecs, on reste frais. Wouh. D'ailleurs en parlant de frais, Evert, ça va tailler les couilles, elle reste au frais ou quoi? Je te sens serein Bert. Je te sens extrêmement serein là. Je sens une fesse assise dans le titre là. Ouais. J'en connais un, il va rentrer à la maison avec des crampes dans les guibolles. Et il doit tellement se tenir le mec, il en peut plus. Hein. Va falloir qu'on le descrispe en rentrant comme ça. Enfin, lui enlever les mains des commandes au pied de biche quoi. Il est bien. C'est un bon gars, c'est un gars sûr. Ah, petite photo par là. Ah, c'est bon, fermé. Photo que nous pouvons prendre à cette altitude. Parce que nous on est des thugs maintenant. Donc chose qu'on va faire, on va exploiter notre altitude hein. Je l'exploite pas assez souvent. Ah et par contre la photo risque d'être très très moche. 60%. Et je vais pas trop avoir le choix hein. Ça sera pas une jolie photo, tant pis. Mais je vais pas prendre le risque de se prendre des tirs dans le bousingue. Je vois que dalle hein. C'est juste avant le bras de mer là. Ça. C'est bon, elle est considérée comme étant prise. Très bien. Ouais, parfait alors. On va se plaindre. Par contre, il y en a qui se ratinent. Où est-ce qu'ils sont? Par contre, il a décidé de tirer à côté, d'accord? Très intéressant. C'est ça l'histoire en fait. L'histoire c'est qu'on a plus de pev. Il va falloir qu'on descende vieux. Là si on tombe on va avoir l'air. Reste en bas. Il faut que je tu sois concentré mec. Le type de la radio là. Les canaux aussi. Dépêche-toi. C'est ce qu'a de brouillé mon cul. Genre monsieur Scott qui vient de se prendre une balle perdue quoi. Ah, j'ai pas fait gaffe que vous étiez là, excusez-moi.
Scott, donne-nous du boost. On sort de là. Pas frère, on n'est pas frère. Mais croyez-moi bien, on n'est pas frère. Ah, c'est bon. Ouh, ma gueule, va recharger. Ma gueule, retente sur le banc. Sur le banc des condamnés. Et on n'est pas rentré encore. Hein, parce que si j'en crois Cartman, on est encore en France. Hein. Faire gaffe. Hein. Ce crochet bonus nous a coûté relativement cher. Hein. Attention, attention. Hein. À plus jamais commettre ce même genre de conneries. Non mais quand je dis recharger, c'est pas va chercher des bombes en fait. C'est juste vire les 380 balles que t'as en réserve. On remplit les 380 balles. Réserve de carburant critique. Ouais non mais faut vraiment que t'arrêtes de chialer, hein. C'est vraiment ça urge. Ouais, ça c'est pour te faire plaisir. Ah et ben, on va vite arrêter de te faire plaisir ma gueule hein. Ils arrivent de face, ça devrait pas trop mal se passer, s'il te plaît. S'il te plaît, Jeez. Merci, putain, t'es un frère, frère. Crois-moi bien, t'es un frère. T'es un frère, mais de chez frère. TNT, c'est quoi. Par contre, va au soin, parce que t'es pas frère non plus. On est pas mal. On a failli perdre le cul. Hein. Là, on regarde le cul derrière, c'est tout rouge. Presque noir. On a un avion qui clignote. C'est pas normal. C'est encore moins normal que d'avoir un gruyère en guise de. De véhicule. D'avion. On a pris un peu. Hein. On a mangé. Oh non. S'il te plaît, Scott. On va faire une connerie là, parce que encore une connerie, on est en train de péter là. On va prendre cette direction, formidable, et on va envoyer Cartman se faire soigner. Parce que lui, il clignote aussi un peu. Parce que quand t'as un pote qui commence à clignoter, c'est pas ça. C'est que ça commence vraiment à pas être ça. Quoi. Ok. Ah, on est rentré au Berk. Ah, mais on n'a pas de. On n'a pas de mec aux cartes. Ok, tout le monde a été envoyé au banc de repos, on est bien. On n'a pas eu le droit à la petite musique quand même de « Ah, vous êtes rentré, c'est bon, vous pouvez vous poser !» Non, tu sens que... déjà, les mecs qui étaient sur la piste d'atterrissage, ils ont dû commencer à se prendre des bouts de tôle sur la figure, ils ont dû se poser des questions quand ils ont vu le R de reporter dessus, ils ont dû se dire « Ah, je crois que... » du coup, j'ai pas de photo. Et j'ai dit « Ah, putain, sinon j'allais le tuer. » Je suis sérieux, donc j'ai pas de photo. Les 1000 livres, hein, les 1000 livres qui nous ont mis très mal, ça devenait critique à ce niveau-là, mais... Mais ça paye! Mais ça paye! C'est rentré, le pognon est rentré. Et ça, c'est cool. Ouh, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Voilà, je devrais sauvegarder là et puis je joue au jeu. Parce que là, ça va, vous voyez. Là, c'est bien, là, je suis content. Nouveau pré-réglage complet? Ah, on a le thermique de base. Je crois que là on arrive à un point où il va falloir faire à la tête quoi. Ou déjà on commence par payer un casque à tout le monde. Le problème c'est que ce casque coûte très cher. Et c'est pas que j'ai pas mon coup. Jeez, t'as fait un super travail mon pote. Il mérite tellement de passer de niveau. Il le méritait, vieux.
il tient vraiment. Ou vieille, j'en sais rien, on s'en fout. C'est pareil. Tourelle, je veux ma tourelle ventrale, s'il vous plaît. MK2, 5000 balles, c'est trop lourd, je vous emmerde. Bon bah je veux ma tourelle ventrale et... MK1. Ça passe. Tourelle ventrale les mecs. Tourelle ventrale les mecs. Les autres systèmes, tout va nous coûter beaucoup trop cher. Nous sommes fauchés évidemment. Briefing. Qu'est-ce qui se dit au briefing? De toute façon je pense que petite pause vidéo hein. Oh. Pourquoi un point rouge? Ah oui c'est l'entraînement. Bon allez on peut se glisser le petit entraînement hydraulique à la bombe rebondissante. C'est vrai que j'ai fait ces deux missions et j'ai merdé. J'ai merdé la mission d'explosion de barrage. Genre j'ai fait du premier coup Easy Life peinard cette mission là, la mission de test slash essai amusons-nous bien lol. Vous verrez c'est facile les enfants. Ah oui oui là. Donc on a Ride devant, hop, qui doit venir ici, très bien. Donc voilà. Donc c'est voilà, une bombe rebondissante. C'est un nouveau style. Ouais, et puis les juste des bombes normales, je leur ai dit en oui, moi son barrage, j'en ai rien à cirer. Hein. Je réduisais mon carburant à l'infini. S'il faut même, je faisais une petite plongée. Je lui larguais de la bombe comme jamais sur la bouche. Ah oui, faut que je passe sur Wright. Fuit. Voilà, on va attendre d'avoir les petits ronds alignés en dessous de soi et ça fait des super ricochets. Il me semble que le test est un succès. Oh, bah, c'est vous qui le dites, chef, hein. C'est vous, chef. Et des Spitfire. Tout contact avec une patrouille de Spitfire sur le canal. Oups. Et ben on sera pas sorti pour rien, chef. Arrivé quelqu'un, mais soyez vigilant, vous pourriez rencontrer des ennemis. Bah, je pense que si t'as perdu toute une squad de Spit, ma gueule, je vais te dire. Dire ma gueule, ça sent pas bon pour moi, toi. Je crois qu'ils nous viennent droit dessus. Ce qui est parfait. Qu'en penses-tu, Hutchies? Hop, 125 tunes. 125. Oh, et le petit dernier là. Ah, il n'y a plus de balles. Il n'y a plus de balles pour le petit dernier. Et 125, c'est pris. Hutchies, va recharger tout de suite. Scott, va te faire soigner tout de suite. Va pas te faire soigner tes blessures, Scott. C'est juste que t'es trop con. Va te faire soigner tout court, le cerveau. Gis, s'il te plaît. Vous pouvez donner tout ce que t'as, ça vous arrangerait. Alright, concentration, s'il te plaît. Ok, on a retrouvé les potes. C'est retrouvé. Petite photo peut-être. Je vous ramène un souvenir, chef. Ça me fait plaisir, chef. En tout cas, cette mitrailleuse MK20, c'est quand même, je pense, mon plus bel investissement. Ah, je les ai loupés. Vous êtes là. Ok, très bien. Ce qui serait bien, Edges, c'est que tu les vises avant de tirer. Tac, Monsieur Wright, va recharger. Monsieur Wright, s'il vous plaît. Monsieur Wright, parce que c'est pas Wright, c'est Wright. Genre, c'est quelqu'un qui écrit, quoi. Genre, c'est un écrivain, ce qui est normal, c'est un reporter, quoi. Scott, au boulot, merde.
formidable. Va recharger. Le mec, chaque fight, c'est tu recharges. On a battu que 3 avions, tu recharges. D'accord. Retourne à la base, retourne à la base. Monsieur Scott, vous avez fini de vous glander. Retournez bosser. Arrêtez de renifler le kérosène, c'est pas fait pour. Incroyable ça. Quoi, il nous sert celui-là? Ouais, je propose de prendre un peu de hauteur. On est jamais en hauteur. Un peu de hauteur. La radio, un petit truc à raconter. Un petit objectif bobo, un petit un nouvel objectif d'Inis, un objectif d'Unus. Un beau bonus quoi. J'ai pas réussi à le sortir, c'est pas grave. Ça sortira un autre jour, c'est pas sorti aujourd'hui, ça sortira un autre jour. Vous inquiétez pas, je vous servirai la blague. Oh, ça me fait plaisir. Est-ce qu'on a atteint notre moyenne altitude? Bah non, on n'a pas atteint notre moyenne altitude. Ok. On l'a atteint. Donc en température, ça commence à être un peu frileux, mais ça va. Par contre, c'est en oxygène, on est encore tranquille en moyen. Par contre, en hauteur, je crois que c'est en haut. En haut, c'est fini quoi. Les mecs finissent par te détester. On va commencer à monter, on va voir. Par contre, je pense que l'intérêt quand tu commences à être à cette hauteur là, c'est que vu que la température commence à chuter drastiquement, tu dois pouvoir aussi réussir à éteindre tes moteurs. Voilà, donc là, on a la plupart des membres de mon équipage qui sont en train de péter un plomb. Et d'accord. Et on est à quelle hauteur s'il te plaît? On en est là. D'accord, ok. On redescend en moyen. Un coup de boost. Ah, il fait des paliers, comme les vrais bombardiers. Les vrais bombardiers, ça fait des paliers. C'est comme ça. Comme ça, ma gueule. On peut voir mon aérodrome là, ou à ce point là que vous êtes nuls, les mecs? L'aérodrome, il est là, les gars. Mais c'est droit devant. C'est. Ouais, c'est là. Ok. Ah ouais, d'ailleurs on est tellement haut, j'ai même pas fait gaffe. Allez. Luca, on sort le train d'atterrissage, ça ne nous intéresse même plus. C'est inintéressant. Il y a que Richie qui rentre un peu abîmé. Eh, l'avion est en très bon état hein. En vrai hein. Regardez le reporter Crew qui rentre avec tous ses membres d'équipage. Et ah oui, mais ça c'est normal, c'est normal. C'est normal qu'on a plus les portes en bas. Parce que c'est normal. On avait la bombe, je vous rappelle, on avait la bombe spéciale. Ah, on a pris une petite strasse de balouze hein, ici. Hein. C'est là où on voit que j'ai zéro blindage. Hein. Regarde, l'avion est passé, il a fait ta 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 avec ce canon de vin. Fini, hein. Papier de riz, quoi. Eh, au moins, tu fais des avions super légers avec ça. Ok, 2400 boules. Oh là 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 là, on a rentré des milliards de dollars. Ça fait plaisir. C'est ça qu'on veut. Tac 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 tac. Clic clic clac. Magnifique. Ouh. Pencher, glir... les blessures mineures, c'est très bien. On a bloqué le texte en rouge, on est des ouf. J'ai vu le texte en rouge, on est des ouf. On est des ouf. On est des ouf. Ok. La thermique de qualité. Une thermique de qualité. Oh, c'est pas déconnant, hein. Équiper tout le monde, 2800 livres sterling. Bonne journée les mecs. Entraînement. Vous barrez pas comme ça. Richie. Pamela. Alors Pamela, tu... Bah premier soin Pamela, tu es un médecin. C'est ta conviction personnelle de devenir un médecin. C'est bien, c'est beau. C'est ce qu'on aime. Oh, nouvelle tourelle. Est-ce qu'on sera en train de parler de nouvelle tourelle? Non, on est en train de parler missile. Missile extrêmement cher et que je qualifie d'inutile, mais c'est vraiment mon avis stricto personnel. Temps de balayage bien moindre, ça vaudrait le coup. Ça pèse pas très lourd. Et ça peut faire mais tellement la différence dans ta vie. Matériel. Fuselage. Sur du léger MK2. Si on part sur du léger MK2, c'est pas si cher que ça. On gagne un peu de blindage, c'est pas déconnant.
On n'a rien sur la queue. On va partir sur un léger MK2. Allez. Allez. Il y en a marre qu'elle se transforme en passoire cet endroit là. Ouf, ben voilà qui est pas trop mal. On a déjà rattrapé toutes les missions qu'on n'avait pas déjà. Ah non, ça j'aime pas. Mauvais deal. Mauvais deal, très mauvais deal. En temps normal, vous savez, c'est un sauvetage, donc on va se prendre deux escouades de trois chasseurs. Plus l'as qui va avec. Plus 3 ou 6 chasseurs encore de plus. Seul intérêt, c'est qu'on est proche des côtes et qu'on peut fuir facilement. Enfin, tout du moins rapidement. C'est surtout que je pourrais faire un abandon à la limite. Mais ça, ce sera dans un prochain épisode. Sur ce, je vous remercie, c'était Techno Frank, soit comme d'habitude gaming, et je vous dis à la prochaine, ciao.